Ah mince, je me suis trompée alors. Arec Norec, c'est une jeune start-up qui a la vocation de construire une activité industrielle sous un modèle d'entrepreneuriat social sur la thématique du recyclage des plastiques qui échappent aux filières de recyclage et dans l'idée de produire une matière qui va révolutionner l'utilisation de matières dans notre pays en épargnant tout un tas de ressources naturelles. C'est innovant dans le sens où les déchets plastiques aujourd'hui ne sont pas recyclés quand ils sont mélangés ou sales, ou alors suite à un processus de tri coûteux et un lavage assez difficile à supporter. Et donc là, la Rec Norec, la société Rec Norec est capable d'absorber les plastiques dans leur mélange, même s'ils sont encore souillés. On est sur des produits qui sont évidemment non dangereux, et de les travailler malgré leur mélange, sans tri supplémentaire. Oui, c'est assez révolutionnaire et les experts dans le domaine sont assez surpris qu'on soit capable à la fois de traiter des plastiques mélangés ou complexes et de produire une matière dans ces conditions qui gagne des propriétés mécaniques et environnementales assez élevées. Alors, Rec Norec s'est installé pour son démarrage sur Saint-Quentin-en-Yvelines parce que moi, je suis déjà une Saint-Quentinoise depuis de très longues années, que j'apprécie beaucoup ce territoire qui a un confort de vie, que ce soit en termes d'offres culturelles ou d'environnement paysager, ou que ce soit parce que le développement économique est quand même assez fort, sans parler d'un territoire qui est très encourageant pour l'innovation et pour les jeunes entreprises. Donc c'est vraiment un choix confirmé.